bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharaoh Dynasties. On reprend notre conquête, notre nettoyage, notre stabilisation de la crête, je sais pas trop comment on peut dire. On va aller se faire ces deux personnes là, alors il y a du vénère, Pirate Raider. Lancier Égéen en panoplie. Waouh. Première ligne, unité de la Horde, létalité élevée ici. Les archers, on les a vus. Bonne portée, pluie de feu là. On en a un dans l'armée de Zeus, il fait bien mal. Alors du coup, ils sont 15, on est 18. À peu près remis, pas de la qualité qu'ils ont, mais néanmoins correct. Allez, c'est parti. War is more fun than meet your end. On a nos renforts. On prendrait un petit peu de dégâts. Ouais. Allez. Oh, il a un tout petit bouclier. C'est pas ça qui va le protéger de notre lance. Hein. Tiens. Ça t'apprendra à prendre un tout petit bouclier. Targe là. Te foutre avec une petite targe. Voilà, et là au moins on a le butin de bataille qui fait plaise là. Oh là là, 400 de bronze et 275 balles. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Du coup, ça donnerait presque envie de commencer à remplir un fort. Donc ouais, là, niveau emplacement de recrutement, c'est ça, on a 4 du coup. Et on peut recruter tout ça. Ok. On peut pas améliorer ça. Ah bah ce qu'il faut, la blinde de pierre. Et en plus, il faut qu'on soit niveau 4. Okay. Pour passer niveau 4, il faut la blinde de pierre. Alors, on va commencer à monter de niveau nos bâtiments. Hein. En attendant... on va aller se poser à Knossos. Pour rajouter un petit bonus dans le public en plus et stabiliser le... Et commencer à booster notre constitution. Et après on ira remplir les forts. Et commencer à recruter. Une fois qu'on aura le bonus. Donc là on est bien. Alors Zeus, mon ami Zeus, il faut que t'ailles là-bas. Priez, même si t'as déjà prié. Pour avoir le mouvement d'aller là. Donc on pose ça, on a dit. Et puis on va poser ces deux là, parce que pourquoi pas. Et du coup on est un petit peu à poil, mais on a notre potentiel là. Donc on va vouloir deux comme ça. Et puis on va avancer de deux en deux. Hein. Tant pis. Il y a du bâtiment après hein, pour nous donner des emplacements de recrutement en plus là, mais même pas si c'est emplacement errant là. Ouais. Mais bon, ça fait chier d'aller les faire, on pourrait virer quoi? On a le hall de mobilisation là. Et ça nous donne les chasseurs, les chars, les hommes des plaines, ouais. Ouais, on aura pas les hommes des plaines. Ouais, on n'a pas les hommes des plaines là-bas, du coup. J'ai viré le bâtiment. Eh oui. On a des jeux de lancier à la con, et on a du lancier trace, ok. Bon. C'est pas très grave. Deux lanciers de plus, ça me va pour aller là-bas. Par contre, j'aurais bien voulu de la troupe un peu plus. J'aurais peut-être pas dû raser le bâtiment, du coup. Ou alors je le refais dans cette colonie-là et du coup je vire quoi? Ça c'est pas mal, hein, le coût de recrutement moins 15 et les coûts de construction. La pierre, on peut pas la virer. Le grand temple de Poséidon. Il est cool mais on n'a pas Poséidon encore. Est-ce qu'on va prendre Poséidon? On va débloquer une autre divinité. Poséidon, il fait quoi? Prière, les autels, de l'influence, de la nourriture et du bois. Depuis les ports, ouais, bof. Bonheur, et coût de construction moins 45 sur la gestion de l'administration. Il
Il y a des bonus de dégâts pour les javeliniers, ouais. Apollon, vitesse de recharge, ligne de mire, ou oh, pas mal. Munitions et létalité à distance pour toute l'infanterie leurs projectiles. Ouais, Apollon, ce sera Apollon, je pense. Ah, il y a Aphrodite aussi. Aphrodite. Non, Aphrodite, elle fait pas de bonheur. Même si elle est pas mal, il nous faut quelqu'un qui fasse du bonheur, donc ce sera Apollon. Ce sera Apollon, ce qui veut dire que le grand temple de Poséidon, même s'il donne 2 de légitimité, pour le moment, on peut le virer. Alors il donne 5 de bonheur, hein. Ça va faire un petit peu mal au bonheur. Mais bon, on va faire de la place. On va se préparer à recruter de la troupe un peu plus de qualité. Ici, on pourrait investir dans plus de pierres. Alors là, on fait 175, on passera à 235. C'est pas mal, hein. Ouais, on va prendre. Même si ça nous grève un peu, ça va nous permettre d'atteindre les 700 qu'il nous faut là pour évoluer nos bâtiments beaucoup plus vite. En échange de 2 tours et 200 de pierres, franchement, je prends. Tac, tac, tac. On a gagné de l'encens. Ça fait qui, donc ? Coût de construction moins 20% pour les avant-postes religieux. Ah bah ouais, on va le faire ici, ouais. On va clairement faire des temples religieux dans le coin, donc on prend. Quoi d'autre? Oui, l'accord qui a expiré avec 3. Lui là, ce serait quand même bien. Oh! Priam est décédé. C'est Hector maintenant. Défensif, candide. Il veut quand même pas un petit pacte. Du bronze. Non, toujours pas. Ouais, ils sont trop riches, quoi. Ils sont toujours trop riches. Et si je propose de rejoindre la guerre contre Mycène? Ouais. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mon chat se calme un peu sur mes genoux là. Merci. Du coup, on va retourner chercher de la nourriture, hein, probablement. Même si on en a plus vraiment besoin. C'est le seul avec lequel j'ai envie de garder un accord commercial valable. Pour éviter qu'il m'attaque. Enfin, lui et mes copains autour là. Lui aussi d'ailleurs. Lui, on n'a pas réussi à faire de pack non plus. Hein. On est toujours sur un moins 56. C'est pas plaise. Mais au moins, ça monte doucement. Ça, c'est plutôt cool. Tiens, ça appartient à 3. Tiens. Je me fais gaffe. Ouais, de toute façon, si on était parti chercher ça au départ, on n'aurait jamais eu la dernière ville. On se voit peut-être que c'était pas le cas au début, mais. C'est une belle province, hein. 4 villes, c'est pas dégueu, comme Knossos d'ailleurs. Bon, construction disponible, oui là on peut construire des trucs, mais on s'en fout un peu. Ah, du bois, remarque, non, on a dit qu'on faisait de la bouffe, mais du bois quand même, hein. 32 bois, 42 bois, non, c'est tellement nul en vrai. Non, non, on va aller chercher les 115 de nourriture, un peu de bonheur en plus, c'est parfait, ça va compenser la destruction du temple. Allez, c'est parti. Hop là. Bonheur chouchou. Ah, il a pas attaqué la ville, ou il l'a pillé peut-être. Ah si, il y revient, ok. Faut nourrir Chobiti, mais il faut toujours nourrir Chobiti. Chobiti, c'est un ventre. C'est pour ça qu'il faut de la nourriture. C'est une démon. Je pense juste un ventre. Qui ça? Le chat. C'est un ventre, mais de fait, il est plus petit, donc. Ah, il tente un assaut, là. Et il perd. Bah, écoute, parfait. Ça ne le rend que plus faible. Par contre, Pylos. Notre force a diminué, bizarrement. Ah oui, ça doit être à cause des troupes que j'ai perdues. Que j'ai perdues en combattant la Horde, là. Mais bon, c'est carrément rentable, donc ça me dérange franchement pas. Même si on devait assumer une nouvelle guerre, ça me ferait chier, mais c'est pas gênant.
que ça ne va pas durer. Ça, il y a de la petite faction qui disparaît là. Hein. Ah mais sérieux, Nubie. Là on a que des catastrophes quoi, c'est un truc de fou. Et puis c'est pareil, hein, la crise elle se casse la gueule là. Ça pique hein. Pour réussir à monter. Ça pique, hein. Il va falloir qu'on se bouge. Hein. Ok, on a masse de pierres, on va améliorer ça. Et ici est-ce qu'on peut en même temps faire ce truc là? Oui. C'est parti. Et ma bouffe. Et ta bouffe, là, t'en auras. Il y a des priorités. La bouffe, on en a un peu. On en a en réserve. C'est bon. Il faut qu'on recrute aussi. Agreed. On va recruter. Alors non, on va pas recruter. Parce que, du coup, je peux pas recruter 4 troupes. On va aller déposer dans le fort. Après, on va recruter. Ah, j'aurais dû interagir avec ça. Tant pis. Dans le fort, on va déposer ça, 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 ça. Et ces deux-là. Et un mec de plus. Bah pour l'instant, c'est tout. Et là, on descendant of Ares. Trois comme ça, deux comme ça. Voilà. Il faut qu'on claque un peu de ressources. Hein. Unis contre nous. Qui vous êtes-vous? Et cœur. Mais attends, mais c'est un Égyptien. T'as raison. On connaît. Ah, c'est un vagabond des mers. Ah, bah oui. On en a tellement, on les a tous attaqués. Donc bon, ok, j'admets. On peut comprendre qu'ils veulent nous attaquer. Mais bon, vu la distance qu'ils sont, c'est pas trop un problème. On sera renforcé d'ici là, je pense. Ok, très bien, donc là on recrute au maximum de nos capacités. Ici, on va retourner là pour booster l'ordre public et on va recruter au maximum de nos faibles capacités. Deux comme ça. Voilà. Et on va prendre ces deux là, comme ça ça sera fait. Même si ça nous coûte de l'entretien, théorie on pourrait les prendre tout à la fin au dernier moment, mais là je pense que il faut qu'on aille un peu vite. Un intrus étranger on sait, on a recruté du monde, donc on a détruit le temple de Poséidon. Par contre nos deux bâtiments ici sont terminés, on va pas tarder à passer au niveau d'après là. On est à 107 et à 110, on passe au niveau d'après. Donc rien qu'avec nos recrutements, là, on devra le faire, je pense. Dégâts d'usure, moins 15% pour les... Waouh, ça pique, ça. Coût de recrutement pour les unités autochtones. Entretien en bronze, entretien en nourriture. Ah ouais, ça représente 500 le... Ah, et on passe de moins 10% à plus 10%. On a 20% de malus direct, quoi. Ok. Ouch. Bah, on paiera. On paiera, je vous le dise. Ou on ira chercher le livret. Ouais, 245 de bois. C'est pas demain. Ok. On avance. Qu'est-ce que vous voulez, vous? De la bouffe en échange d'or? Non. Non. Non, non, tu peux crever. Tu peux crever. Y a pas de problème, crève. En 3, maintenant que Priam est décédé, il m'inquiète quand même. Il m'inquiète un peu. Les Béotiens, je pense pas qu'ils vont aller se faire chier aller jusqu'à moi, mais... On n'est pas à l'abri. Oui, on va monter une armée pour aller s'en occuper. Ah, on est énorme, il y a 20, ok.
y a deux qui vient se balader. Ah, coucou toi. On n'est pas prêt là, hein, s'il nous attaque là. Ah, l'enfoiré. Ouais, non, rien qu'on va pouvoir faire là. C'est quoi? On est sur une ville mineure. Ok, c'est cette ville-là. On a des bâtiments de Mora, il a quand même pas mal de chars, on a quelques lanciers. Il y a du javelinier qui va pas être hyper utile dans le contexte, par contre il a plus de tireurs que nous, en plus c'est du frondeur de renom. Notre armée est pas prête. Hein. Oh là là, l'enfer. Non bah, je me sens pas de la faire ça. Le coup dans les parties, c'était pas très très gentil quand même. Putain, Knossos qui retombe. Non, il l'a juste pillé. Il l'a cherché, non? Ok. Alors là... Il l'a juste pillé, ça m'arrange. Ça veut dire qu'on va garder notre ordre. Pour le moment du moins. Et lui, il nous a déclaré la guerre. Mais il est à l'autre bout du monde, donc franchement, en plus, ça doit être deux armées de 7, une connerie du style. On n'est pas inquiet pour le moment. Le niveau d'administration a changé. Alors du coup, là on a 15 troupes, on a pris un niveau. Ok, on va prendre notre petite compétence. Ça fera pas de mal. Et on est pas trop loin si on passe par la mer. Par contre, du coup, il nous faudrait 20 troupes, clairement. Donc on va récupérer. Il avait pas mal de chars, on va récupérer 2 lanciers. Et les frondeurs. Sûr, on perd en mouvement, bien évidemment. Du coup, on va passer en marche forcée. Je sais pas que je peux pas rentrer dans cette putain de ville. Elle est à moi, cette ville. Viens. Ah, là, on va rentrer par ici. Par contre, on peut pas l'attaquer. Il est... au loin, je pense. Allô? Ouais, la ville ne peut pas l'attaquer. Je peux pas l'attaquer moi parce que de toute façon je suis en marche forcée. Et vu qu'on n'est pas assiégé, la ville ne peut pas l'attaquer. Mais il est dans la zone d'aura. Il a décidé de rester dans le coin, donc c'est possible qu'ils doivent. Ils doivent rester. Du coup. Ils sont obligés de nous attaquer. On va voir ça. Bon, il nous a pillé, donc nos bâtiments sont détruits, mais pas totalement à terre. Enfin, direct, c'est plus la même. Hein. Et ma bouffe? La bouffe, on va pas la construire, hein, alors qu'on peut perdre la vie. Hein. La bouffe, elle va attendre 2 secondes. Ok, bon, ici, j'aimerais autant qu'il n'avait pas pillé des trucs, mais bon, bah s'il le fait, il le fait. On n'a pas suffisamment de pierres pour monter de niveau là-bas. Alors ici, on va recruter. Il nous faut 2 comme ça, 2 comme ça, on va faire les prévisions. On n'avait pas assez de fonds. Ah oui, c'est le bronze qui devient problématique déjà, quoi. Putain, ça va vite, hein. Avec le mode là, ça va hyper vite. Bon, en vrai, on a 2 tours, hein, donc ça va. Donc on va pas les faire tout de suite, pas la peine de prévoir alors qu'on n'a pas les fonds. On va en finir avec ce con et on verra après. L'accord d'échange qui a expiré. Ah oui, on importait de l'or en échange de pierre, mais ils veulent plus. Par contre, on n'a plus du tout d'accord avec eux si on leur fait pas un. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui les intéresserait? On réduit, ouais. Si
Si on met un peu de bois dans la balance. Le bois dans la balance, ça passerait. Même diminuer un peu si on... Ouais, allez, vendu, 10 tours, on est tranquille, ça va nous faire un bon revenu en dessous. Faire un peu en bois, mais bah, il faut ce qu'il faut avec la diplomatie. Hein. Là, on a perdu, on a rencontré Millet, ok. On a recruté des troupes, ce qui nous coûte de l'argent. Et lui, il a obtenu Brave, en recrutant des unités armées de Képesh ou d'épéistes, ok. An unstoppable force. Échange expiré, on a vu, on a des bâtiments endommagés, des constructions, oui, 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 plein de choses qu'on peut faire, mais on va passer le tour. On va regarder ce que fait notre meilleur ennemi, notre nouveau meilleur ennemi, puisqu'il ne reste plus que lui en vrai. Même que je regarde si je peux pas faire une paix avec lui au final. Maintenant que mon arrière-pays est bien sécurisé, j'embarque et puis je me barre. Je vais sécuriser Knossos avec, avec mon autre armée, là, l'armée de Seout. Bon, moment, il se balade. Allez, notre force s'est déjà bien rééquilibrée, là. Hein. Rien qu'en prenant des troupes dans les armées plutôt que dans les forces, ça joue. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va raser des trucs. Le relou. Il va raser ça. Enfin, il le rase pas, donc ça nous coûte moins cher à réparer. Déjà ça. Oh, et il veut venir chercher notre province principale. Bah écoute, viens. On va... Là par contre, on va le défoncer. Là clairement, il va payer ça au centuple. Hein. Et si c'était pas un peu plus sécurisé, je me tâte même là de vous voyez à recruter un général pour s'occuper de sécuriser ce coin-là et envoyer réseau se raser, raser le territoire de l'autre con. On n'en parle plus. Et qu'on apprenne à ces gens ce que ça coûte de nous attaquer. Allez, marche normale. Vas-y, viens. Voilà. Le petit coup de lance après la décapitation, c'était peut-être pas nécessaire. Hein. Après, on va nous taxer d'acharnement, quoi. Un peu de bois, il y avait des chars, donc un peu de bois. Mais non, je pense qu'on va les tuer. Pour la peine. Voilà. Ok, on retourne là. Alors, le public se casse la gueule du coup à cause de leur connerie. On répare. Alors, on va réparer ça d'abord. Et ça, on n'a plus les moyens comme prévu. Donc, c'est parti. On répare. Dans les avant-postes, on répare. Et on peut pas réparer. Ce truc-là, il nous donne rien de particulier. Might of Thrace! Ouais, niveau entretien, c'est pas simple. Si je voulais recruter un général, qu'est-ce qu'on a? Courage plus 3, et là, présence 2, courage plus 1. Alors, je pourrais vérifier que je ne me coupe pas. La présence, c'est l'entretien. Ça, c'est la reconstitution. Et ça, c'est le déplacement. On va vouloir un mec qui baisse l'entretien, je pense. Donc ce serait plutôt lui. 8 de niveau d'administration. On est entre 110 et 159. Allez. Fighting for Ares. Il va te charger de remplir les... Alors peut-être pas avec du renom parce que ça coûte un peu cher. Un de plus. Non, on est à 4 là. Okay. On va faire comme ça.
On va mettre des mecs peut-être pas forcément d'élite dans les forts pour le moment. Se détendre sur nos besoins. Là, on a pas beaucoup de tours d'avance. Faut qu'on répare tout ça. Un désaccord avec Dionysas. Ok, on importait du bronze. C'est pour ça qu'on est autant dans le mal. Allez, pour 18, t'acceptes. Est-ce que tu nous donnes un bronze de plus? C'est reparti. On y va. Et l'autre, du coup... tac, c'était... Cassopéa. Ouais, Cassopéa en importait du bronze aussi. Donc 15 de bois, ils sont toujours pour. Et vu là où ils sont... j'aimerais autant qu'il soit pas inamico. Donc on va le refaire aussi. Alors c'est toujours problématique le bois, mais le bois on le monte petit à petit, alors que le bronze et compagnie, si on en a pas, on est vraiment dans la mouise. Bon là on a beaucoup de tireurs aussi. King Rhesus. Ok, ensuite. Il nous a tué des trucs. Et on a tué des trucs. Parfait. Ici, est-ce qu'on se permet de recruter plus? Commence à être tendax, hein. Très honnêtement, il faudrait, mais ça commence à être tendax. Recruter deux mecs comme ça. Ouais, du coup, on a vraiment plus de coussin de... pas se permettre, là. La nourriture, on peut pas se permettre. Il va falloir qu'on attende d'avoir réparé un peu. Ah, on a un auxiliaire. Ah oui, c'est vrai, toi, tu peux mettre des gens, du coup. Alors, tu peux prendre des compagnons, pourquoi pas. Là, rien. Ici, on va te donner l'armure en bronze. On va te donner le bouclier de contrefort et on va te donner une lance grecque. Une lance grecque? Ouais, une lance grecque. Très bien, une lance grecque. Il n'y a pas le cheval. On n'a pas de cheval. Non, on n'a pas de cheval. Ok. Et en titre, tu peux rien prendre pour le moment. Il a un nom tout pourri. Et il a un nom tout pourri, mais j'ai un nom pour renommer notre fils, quand je pourrais le renommer. Mais c'est tout. Donc, pour l'instant, personne ne sait... proposer en tant que général, donc si jamais quelqu'un se propose en tant que général, ce sera avec plaisir. On peut pas aller chercher un petit 10% là de ressources. T'as même pas de général Nardinus. 200 de pierre. Non. Notre futur fils sera Nardinocle. Ah. Enfin, notre futur fils, c'est notre fils déjà, mais ce sera futurement Nardinocle. Ici, on n'a pas le fort qui est en construction. On va peut-être le lancer. Hein. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a plus ce qu'il faut. Ah, il manque deux pierres. Pas grave, ça attendra un peu. Hop, allez, on passe le tour. Missen commence à souffrir, semble-t-il. Par contre, Théolite se redresse. Hein. Oh non, Itak, t'abuses. Oh là là, quel enfer. Bon, c'est pas grave, mais ça m'emmerde. Tiens, ici, j'ai cru voir une armée de 3 se replier la queue entre les jambes, par contre. Il me semblait qu'on avait négocié un accord de pacte de non-agression avec Itak en plus. S'ils sont suffisamment agressifs pour lancer ce genre de combat alors qu'on a des pactes, ça va devenir compliqué. Hein. Là, il vient pour moi, mais cette fois, on est carrément prêt à l'accueillir. Même s'il envoie deux armées, ça me dérange pas. Il y a des gens qui reviennent. Peut-être que ça commence à s'activer un petit peu en haut aussi, là.
Alors, est-ce qu'il fait demi-tour? Il fait demi-tour. Visiblement, la grosse fessée qu'on lui a mis, ça lui a pas plu. Bon, on a passé tout le monde là par Ur, mais on s'en fout un peu d'Ur. Ok, on a notre nouvelle. Ouais, c'est ça, ils ont rompu le pacte de non-agression pour nous rentrer en guerre contre nous, quoi. C'est ouf. La rébellion est imminente. Ouais, putain, mais ouais, mais forcément, les mecs, ils sont tellement. Ils nous ont tellement défoncés, quoi. Et là, on a toujours pas ce qu'il faut pour réparer. Par contre, on pourrait monter ça. 5 tours tellement ils sont pas contents. Saloperie quoi. Niveau défensif, on a quoi? 12 mecs ici, 9 ici, c'est un peu juste. Oh, on en a que 9 d'ailleurs. Ah, on doit avoir un... Ouais, on a un promontoire. Okay. Pas Phaistos. Et ici, ah non, c'est ici que c'est le plus fragile. Il y a quand même des bonnes chances que ça se déclare par là, la baston. Mais on est quand même plutôt bien défendu. Ok, donc on peut prendre une nouvelle divinité. On a dit que ce serait Apollon, dégâts des projectiles lors du recrutement, la belle prière, un général dévoué, pas dégueu. C'est parti. Ok, on est parti. On va pouvoir commencer à construire des trucs. Alors du coup, en plus le bonus, il est dans toute la province, ce qui est quand même plutôt cool. Ça c'est là l'emplacement est là. Un hôtel d'Apollon, bonheur plus 4. Et les petits bonus de dégâts des projectiles et tout, on va prendre. Ici on va lancer une construction de fort. Alors ça va prendre des siècles vu qu'ils sont pas contents quoi, mais. Tant pis, hein, faut ce qu'il faut. Là on va devoir attendre la rébellion avant de partir du coup. Pas trop le choix. En termes de technologie, durée de prière, pourquoi pas, portée des projectiles et armure pour les lance-projectiles, ouais. Plus de revenus d'or. On va aller chercher ça, non, faut que j'aille chercher ça. Booster nos projectiles. Plus de relations diplomatiques, ça pourrait être pas mal. Alors du côté du militaire, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de militaire. Je vais chercher un autre emplacement de dévotion directe. Coup de recrutement quand on est allié à des factions. Hein, personne ne veut être allié. Donc, de l'XP pour l'infanterie de mêlée. Ouais, pourquoi pas. Ça, on s'en fout un peu. Coup de main d'œuvre, on s'en fout. Revenu des raids et temps de résistance au siège. Ouais. Ça, c'est toujours intéressant, là. Moins d'entretien, moins de coûts de recrutement pour les unités niveau 3, 4 et 5. Et là, c'est faut être sous le commandant de généraux de niveau 10, d'accord. Un bonus de main-d'œuvre quand on a terminé un temple, vitesse pour les infanteries de rang 4. Bonheur de temple, ouais. Pas dégueu ici, mais on pourra aller chercher ça, puis après partir par ici. Influence pour les provinces avec monuments, ok. Ça c'est pas mal, faut qu'on aille chercher un placement de choix d'ambition. Je pense qu'on va aller chercher ça, vu qu'on recrute beaucoup. 15% pour toutes les unités, seulement 2 tours. Ça va être un boost intéressant. Du coup, c'est des piou-piou nos mecs maintenant. Hein. Les rangs 1 là, rang 1, rang 2. Il va falloir qu'on les entraîne un peu. Et ouais, par contre, dans un tour, on n'a plus de bouffe. Mais genre, plus du tout de bouffe, quoi. Ça, c'est un peu emmerdant.
qu'il y a de la nourriture. On est en guerre, on s'en fout. Eux, ils nous aiment pas. Quelqu'un qui aurait besoin de pierre, peut-être. Ça existe, ça. Non, il tacte, non, mais sérieux, il tacte quoi. Eux, peut-être. Ils veulent de la pierre. Ils ont de la bouffe. Quand on te file 100 de pierre. Comment tu nous donnes? Un pour deux. Ah, c'est juste, hein. Ça va pas nous sauver très très longtemps. I've got what it. I love it. You can cap. Enemies beware. Ils nous aiment pas. On peut commercer avec Ur, quoi. Oh, putain. Est-ce qu'il nous propose un truc intéressant? Le fil sang de pierre. Même pas un pour deux. Ouais. Alors, à un moment, c'était intéressant. Et eux là, ouais, mais maintenant ils ont plein de pierres. Ouais, tout le monde a de la pierre. Sauf nos ennemis. Eux, on pourrait essayer de faire un. Ah, si, c'est Diomède, ça y est. Il est devenu chef des Béotiens. Alors, déjà, si je te fais un truc comme ça 200, 110, 120, ouais. Maintenant, si je te fais un accord où je t'enfile 100 comme ça, 200, 210, 120, 130, 250, 300, 290, 280, 75, 70, 35, 60. Ok, c'était 250, c'était le max en fait. Ouais. Ça nous fait pas gagner grand chose. Peut-être plutôt l'acheter avec de l'or en vrai. Parce que c'est ça qu'on a le plus. Alors, de l'or. Ouais, t'aurais pas besoin de d'or. We could both come out of this better off. Et je te donne, mettons, 50 d'or. Tu me files combien de bouffe? Mon cher Hector. Ouais, ça commence à compter, là. Bon, là, j'ai fait un accord d'échange, mais on pourrait faire un échange ponctuel. 50, compte, 700. 150. Et 640. 640. Ça nous donne un petit peu d'air. Et un accord. Combien tu voudrais pour ça? Ouais, non, trop cher. Trop cher, trop cher. Mais du coup. Ok, du coup, on gagne quasi un tour de plus. Un tour de plus une fois qu'on aura commencé à réparer ici. Et gérer la rébellion. Mais du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.